à la problématique de la production et de l'accès à l'énergie en Afrique. Il s'agira de parler donc des perspectives de production pétrolière et gazière, des stratégies des compagnies pétrolières, le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière, la gouvernance du secteur des hydrocarbures, la formation, l'accès au financement, le développement des capacités de production d'énergie renouvelable et aussi l'évolution des marchés de l'électricité. La cérémonie officielle qui aura lieu le 7 mars au Kingfa sera présidée par M. le Premier ministre du Sénégal, M. Amadou Ba. Il est aussi attendu la participation de Mme la ministre du Pétrole et des Énergies. Il y aura aussi des représentants des ministères de l'énergie de la sous-région, des organismes régionaux en charge de l'électricité, de l'énergie, des compagnies pétrolières, gazières, des sociétés d'électricité et d'énergie renouvelable. Il y aura aussi des professionnels du secteur de l'énergie travaillant en Afrique, des sociétés clientes de l'industrie pétrolière, les banques, les bailleurs de fonds et aussi les représentants du monde académique et de l'administration. Voilà ce que nous allons attendre. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie de votre attention. En plus qu'il y a, si vous avez vu le programme, il y a un panel de l'ASDA. Nous apportons beaucoup de contributions pour les énergies renouvelables et les biodégradables. Donc ça, vraiment, le salon va prendre ça en charge. Mais par contre, je peux vous apporter certaines à cela. Par rapport d'abord au secteur privé, bon, j'ai la chance aussi d'être du patronat. Donc, nous avons décidé d'orienter beaucoup d'investissements dans le secteur de l'énergie énergétique. Ça, c'est pour parler du contenu local. Maintenant, sur quel levier on voulait agir, on pourrait agir. En tout cas, au niveau de l'ASDA, au cours de ce salon-là, il y a aussi un panel qui parlera de cela. À la fin, nous donnerons des recommandations. Et l'avantage avec l'ASDA, ce sont les professionnels du secteur qui sont là au Sénégal. Il y a un problème particulier dans le secteur. On se regroupait, on échangeait et on tirait les conclusions. Ça nous permettait de savoir tous les membres de l'ASDA au même niveau d'information. Et ça évolue avec ces découvertes. Quand il y a eu les découvertes, nous, professionnels du secteur, bon, il y en a qui sont dans l'énergie, il y en a qui sont dans les hydrocarbures et tout cela. C'est-à-dire, qu'est-ce qui attend le Sénégal, où est-ce qu'on va et tout cela. On a décidé d'aller plus loin. Là, on est membre du patronat de la CNES. On a décidé d'informer plus large. Et c'est en ce sens qu'on a commencé à organiser des workshops avec des thèmes bien précis, c'est-à-dire on a commencé par faire l'état des lieux. M. Baudjan qui est là, est géologue, pour informer, on parle des lieux, on peut informer là où se trouvent les découvertes. Là, après ce premier workshop, on est allé sur qu'est-ce que les Sénégalais peuvent attendre de ces découvertes. Après, continuant toujours, comme disait le patronat, c'est sur les gens du privé, les acteurs, comme ça. On a invité un acteur, je me souviens, c'était Ali Burton, qui nous explique comment ça se passe quand il y a les découvertes, quand ils vont procéder à la phase exploration et tirer le pétrole. Donc, sur ces workshops-là, on a suivi l'actualité. Il s'est agi après du contenu local, c'est-à-dire qu'est-ce que les Sénégalais peuvent tirer de ces découvertes-là. Donc, on a expliqué de front en comble le contenu local et surtout poser et donner les astuces, si vous voulez, pour les Sénégalais lambda, comment faire pour tirer profit de ce contenu local, de ces découvertes.
La formation, oui, on a fait beaucoup de séances de formation aussi. Et on va continuer. Et là, ça va venir. Là, on prépare avec ce salon. Ça, sur le programme, vous avez bien vu qu'il y aura les deux acteurs principaux, à savoir BV, qui s'occupe du côté de GTA, hein, et il y a Roussel qui s'occupe du projet Samoma, qui feront une mise à jour de leur projet. Donc ça, c'est dans le cadre des actions de l'ASTR, monsieur le président. Beaucoup a fait un grand pas dans ce sens-là, en développant les énergies renouvelables, vous voyez de nouvelles centrales avec du solaire, en développant l'environnement, et il y a des résultats que les acteurs étatiques vont vous présenter lors du salon pour voir les niveaux d'avancement qui ont été atteints. Donc, les acteurs concernés par ce volet-là seront au niveau du CFA, ils seront présentés au CFA. Ils vont participer à un panel très important pour parler de cela. Et je pense que c'est l'occasion, c'est une tribune extraordinaire, vraiment, pour réfléchir, mettre à jour vraiment les informations concernant ce volet-là. Merci. Ce panel, si vous êtes renouvelable, sera animé par le ministre conseiller du président de la République. On a le directeur de l'ANER, le directeur de l'ASER, le directeur de l'Agence pour l'économie d'électricité. On a aussi le haut commissaire de l'OMS qui a confirmé qu'il sera là, et le directeur de l'ECDE qui est aussi un organisme. On va les mettre à disposition de nos autorités et des profils de tout un chacun qui sera là dans le secteur. Donc maintenant, quel levier? On a des professionnels d'aide de l'électricité. Peut-être qu'au tout cours des débats, on donnera tout cela. D'autant plus que là-bas, l'intérêt qu'on a invité les pays de la sous-région, et ce seront des échanges entre eux pour voir qu'est-ce qui a été fait là-bas, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de chez nous. Donc là, et je suis sûr qu'en ce moment-là, on identifiera les leviers sur lesquels on pourra de proportions comme ça. Les recommandations, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Pour dire la vérité, chaque fois, et ça, au-delà même du CIEPA, du salon, nous regroupons au niveau de l'ASDA, c'est ça, les gens, il y a des professionnels que nous sommes. Hein. L'essence de l'ASDA, c'est qu'il se veut creuser des réflexions, des propositions et des recommandations. Donc, j'avoue que chaque fois que les autorités, depuis maintenant, je pense, 15-20 ans, ils ont des problèmes ponctuels dans le secteur, ils nous saisissent. Et on donne souvent notre avis sur ces problèmes-là. Et pas plus tard que pour en ce qui concerne les lois, les décrets, les lois sur le code local, sur le code pétrolier, ils nous avaient saisis. On a donné nos inputs. Et parce que je dis, le creuset que nous formons, aujourd'hui, c'est toujours un plaisir que nous citons le doyen Idriss Apodjan. Il était à l'origine du code de 98. Et c'était ça l'intérêt. Quand on nous a saisis, c'est par rapport à ce code là où on allait. Et tout cela réuni, on a été, je pense, là. Et ça, j'ai par rapport à votre question toujours. En effet, nos propositions ont été prises en compte sur quand même beaucoup de points, etc. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'ASDA qui a ses professionnels, comme j'ai dit, qui réfléchissent régulièrement et qui donnent des informations sur le secteur.